Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui, en fait, j'appelais pour poser une question. En fait, je voulais savoir, en fait, quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? OK. En fait, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer aux frères tout à l'heure, mais rapidement. Alors, ça dépend. Les Écritures nous disent, il y a des endroits où il est dit clairement que l'esprit est différent de l'âme. Là, on va utiliser le mot hébreu, le mot ruach, où il est question du souffle, de l'haleine, du vent, et ensuite de l'esprit. Donc là, il y a une différence dans ce cas-là avec l'âme, où il est question dans Exode, dans Lévitique 17, du sang. L'âme, c'est le sang. Voilà. Et ensuite l'âme, ailleurs, dans les Écritures, hein, représente l'homme dans sa globalité, dans son entièreté. D'accord. C'est-à-dire l'esprit, la chair et le cœur. Donc l'homme dans son entièreté. Comme dans Ézéchiel, chapitre 33, où Dieu dit l'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 11 également. Ok. Parce que, en fait, j'ai une seconde question, en fait, parce que on a eu à me poser la question on m'a demandé, en fait, qu'est-ce qui retournait à Dieu une fois qu'on était mort? Je lui ai répondu que c'était l'esprit. Et la personne m'a posé la question, dans ces cas-là, où se situe l'esprit? En fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est ce que j'explique. L'âme a des endroits, il y a des endroits dans la Bible où l'âme est représentée par le sang. On va prendre ce passage-là pour être plus explicite. Plus explicite, nous sommes dans Lévitique 17. Lévitique 17, on va lire à partir du verset 11. Voilà. Donc, à partir du verset 10, quiconque de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjourne au milieu d'eux aura mangé du sang, quel qu'il soit, je tournerai ma face contre cette personne qui aura mangé du sang et je la retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. C'est pourquoi je vous ai ordonné qu'il soit mis sur l'autel afin de faire propitiation pour vos âmes, car le sang qui se, car c'est le sang qui fera propitiation pour l'âme. Voilà. Donc ici, on nous dit que l'âme, c'est le sang. Voilà. Donc le sang qui coule dans nos veines. D'accord. Voilà. Et ensuite, dans Apocalypse, là-bas, on nous dit que Jean a vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de la parole du Seigneur qui parlait à Dieu, qui disait, jusqu'à quand, maître, tardes-tu à attirer vengeance de nos ennemis? Et tout ça, là, a frappé nos ennemis, en gros. Et là, on nous parle aussi des âmes qui s'exprimaient. Donc, c'est-à-dire des esprits, bien sûr, parce que quand on meurt, l'esprit, selon Jacques nous dit, dans Jacques 2, que la mort, c'est la séparation de. En fait, la mort, c'est quand l'esprit humain quitte le corps. D'accord. Voilà. Donc, dans ce cas-là, ici, l'âme représente l'esprit. Donc, les âmes, ici, sont les esprits des chrétiens. Et D'accord. dans ce cas-là, ici, l'âme représente l'esprit ou encore la personnalité. Parce que l'âme, c'est aussi la personnalité de l'homme. D'accord. Voilà. Sa volonté. Merci. En fait, en tout cas, merci pour la réponse. Parce que bon, c'est plus ou moins ce que j'avais compris, mais avec l'explication, ça m'a un peu plus éclairé. Donc voilà. Que Dieu soit béni, frère. Et Merci. bonne continuation, que Dieu soit béni. Merci.